Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, unboxing en partenariat avec la boutique GBFKE. Donc je les remercie infiniment, c'est la 25e fois qu'ils me proposent un partenariat et je leur en remercie énormément. Je crois que c'est la plus fidèle des boutiques sur ma chaîne, donc merci, merci, merci à Nathan. J'avais un budget de 25 euros pour ce partenariat, j'ai dépassé un petit peu et il a mis 11 jours à arriver, donc c'est vraiment top. J'ai que des accessoires avec une toile, donc la toile on va la prendre en dernier et on va voir les accessoires. Alors cette fois-ci j'ai demandé à une amie, enfin j'ai converti une amie au DP et du coup elle m'avait demandé si je pouvais lui prendre des stylets, donc c'est elle qui a choisi. Donc, je en lui ai choisi. Enfin, elle en a choisi 3 parmi tout ce que je lui proposais. Et donc, le premier, c'est celui-ci. Voilà, parce qu'elle travaille encore avec les toolkits de base et elle souhaite changer pour des beaux stylets. Donc, elle a choisi celui-ci. Avec des fleurs à l'intérieur. Je vous montre. Voilà, il est vraiment superbe. Voilà, et il est livré avec tous les petits embouts. Voilà, en plastique. Donc celui-ci, alors il y a plusieurs modèles de disponibles. Celui-ci, il était à 8,89 € sur le site de GBFKE. Je vous remets évidemment les liens en barre de description. Ainsi que le lien du site et allez voir, c'est le Black Friday en ce moment. Donc, n'hésitez pas, il y a plein de promotions sur tous les sites. Ensuite, le deuxième stylet, ce sont que des stylets comme je vous ai dit. Elle a choisi celui-ci. Ouais. Celui-ci est livré avec deux autres multiplaceurs. Voilà. Que je remets à un grand multiplaceur et donc c'est le rose fluo, voilà, avec l'embout simple. Il est très fin celui-ci par rapport à l'autre. L'autre est quand même plus épais. Voilà. Donc voilà, le rose. Celui-ci, le rose, était à 3,37 €. Donc c'est pareil, vous avez plein de coloris différents. Et le troisième, c'est celui-ci, donc c'est un kit, enfin c'est un lot. Alors, très bien emballé, hein, comme vous pouvez le voir. Et voilà le modèle. Alors c'est pareil, vous avez plusieurs couleurs. Donc là, elle a choisi bleu. Voilà. Et donc avec, il y a 10 cols bleus, enfin cire bleue. Et vous avez 6 en bout métallique cette fois-ci. Et là je vois qu'il y a une spécificité que je n'avais pas dans les autres stylets, c'est que du coup les embouts se vissent. Donc là je vais faire ma curieuse, je vais montrer, regardez. Donc ça veut dire que ces embouts là ne vont pas sur d'autres stylets que lui. Alors je regarde en même temps que vous, hein, parce que c'est la première fois que je vois ça, que ça se visse. Ah, j'arrive pas. Peut-être pas doué, hein. Alors, j'arrive pas à visser. Peut-être un peu dur au début. Ouais, j'arrive pas. À mon avis, il faudra prendre une pince. Je vais essayer un autre embout. Ouais, il faut forcer. Pas y arriver. C'est pas grave, enfin bref, faut visser, il y a le pas de vis, on voit à travers, ouais, voilà. Et donc, normalement, voilà, j'ai réussi avec celui-ci. Donc voilà, normalement, vous pouvez visser jusqu'au bout pour, et là, en fait, il n'y a pas besoin de mettre de washi, ni de colle, ni rien. Ça tient bien, hein, parce que avant de dévisser tout. Et celui-ci avec le lot des 6 embouts et la cire, c'était
à 9,89 € sur le site de GBFKE. Je vais essayer de le dévisser sans le casser, parce que c'est pas pour moi. Je vous mets pause. Voilà, c'est pas évident, mais je pense qu'il faut y aller doucement. J'ai pas envie de casser. Et au moins, ça s'enlève pas. Voilà. Donc, je vous ai dit le prix, 9,89 €. Et donc, maintenant, j'ai choisi une toile pour moi. Elle est trop, trop choupinou. Voilà. Trop, trop choupi. Vous allez, elle est rigolote même. Elle ira bien dans le thème rigolo de mon défi Diamond Painting sur mon groupe pour l'année prochaine. N'hésitez pas à venir nous rejoindre d'ailleurs dans mon groupe Facebook Nos Passions Sans Pression. Tous les deux mois, on organise un petit défi avec des thèmes différents. Et l'année prochaine, il y a un thème qui est rigolo et il y a beaucoup de personnes qui me demandent quel exemple on peut. Et bien, par exemple, celle-ci, elle peut faire partie du thème rigolo. Donc, c'est une 40x50, voilà, en diamant rond. Et regardez comment elle est vraiment trop mignonne. Hop, j'ai fait tomber le toolkit. Donc, toolkit de base, style école Birkett. Voilà, et donc elle est vraiment rigolote. Donc elle est vraiment dans le thème de ce défi-là, donc n'hésitez pas. Il y a plein de thèmes différents, donc n'hésitez pas à venir. Je mets toujours mon lien de ma page Facebook, dans mon groupe Facebook, en barre de description. Et donc, c'est écrit « Ne pas ouvrir », il y a le diable à l'intérieur, et lui, le petit chat, dit « tu peux le faire », en gros. Voilà, tu peux ouvrir. Elle a 18 couleurs. En même temps, il n'y a pas trop de détails. Donc, trop, trop chou. Puis, alors, 50x40. Alors, avec les bords, évidemment. Mais ça suffit largement. Alors, il y a énormément de noir. Non, c'est même pas du noir, c'est du 939. Ça colle très bien. Et un petit focus sur l'impression. Alors, c'est une aide à la pose, il n'y a pas de cercle autour des symboles. Et franchement, regardez-moi, c'est tout chou. Elle est trop trop belle. Trop trop belle. Hop. Voilà. Bien remettre le plastique, sinon ça fait des crevasses. Et donc cette toile, elle était à 6,89 €. Bon, franchement, 6,89 €, et c'était avant les Black Friday. Maintenant, il y a plein de promos, n'hésitez pas à y aller. Je vous invite fortement à aller voir les promos qu'il y a sur le site de GBFKE. Il y a énormément de promos. Donc, n'hésitez pas. Et puis moi, j'ai un code promo de -10% qui est CLARA10. Donc je vous mets tout en barre de description comme d'habitude. Les diamants sont en sachet de 200 en ribambelle comme ceci. Donc forcément le 939, hein, ça prend une majeure partie des couleurs. Et après vous avez des petites couleurs pétantes là, ça va bien ressortir. Franchement, c'est franchement très beau. Voilà, donc voilà pour cet unboxing. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, je suis super contente à chaque fois, GBFKE, je suis jamais déçue. Voilà, 11 jours, très bien. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie encore une fois GBFKE. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, moi, je vous fais plein, plein d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!